Je suis Stéphane Laine, je suis directeur de Mediastormy, qui est une agence de communication et une régie publicitaire. On a deux cœurs de métier, même un troisième, parce qu'on organise des événements et on est basé à Célestat, entre Strasbourg et Cologne. C'est du B2B avec aussi bien de la petite PME, de la TPE, que de l'entreprise à dimension nationale. Aujourd'hui, dans notre portefeuille de clientèle, on a aussi bien des petits commerçants que une marque nationale et même internationale qui s'appelle Demeter, qui a un label de certification, pour faire simple, un label de certification bleue. Alors, on présente nos services web. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est d'aller vers le web et de réussir sa mutation vers le web. Aujourd'hui, les marques, même les marques locales, j'aurais même tendance à dire surtout les marques locales, doivent être bonnes sur Internet, doivent être performantes sur Internet, et pour ça, elles ont besoin d'une chose, c'est de devenir des médias. Nous, ça fait 25 ans que du média, on en crée tous les jours, puisqu'on exploite une radio régionale qui s'appelle Pop Music, qui aujourd'hui est la première radio régionale d'Alsace, avec 440 000 auditeurs chaque semaine. Donc, on fait bénéficier nos clients de toute notre expertise dans la création de contenu. Bah, c'est comme tout le monde, alors il y en a deux. Il y en a un, il est évident, c'est de trouver des nouveaux clients. Et ça marche plutôt bien depuis le début de la journée. Et deux, c'est profiter du réseau. Ici, on a 500 carrés de salon, plein de gens qui sont là, plein de gens intéressants, mais oui, on vient pour les deux. Je dirais que tout ce dont je viens de parler avant, l'objectif rempli, ça se passe plutôt bien, l'ambiance est sympa. Ce que je disais à d'autres gens tout à l'heure qui sont venus nous interroger, c'est que on se retrouve pas, on n'a pas le côté pincé, guindé et petit doigt levé du salon parisien, donc c'est plutôt sympa en termes d'ambiance. Donc ouais, intéressant, faut rester là, faut venir.